Bon, ok, Cameroun, ok, c'est simple. Les cœurs des grands maîtres, Cameroun, réveille-toi, c'est là, c'est, elle est tombée, Babylone. Ça y est, c'est la parole s'accomplit. C'est par moi, appelé de Dieu, sans le secours d'une main d'homme, Daniel 2, direct par Dieu, voilà. Élu fin 2002. Depuis fin 2002, je rare les gens dehors. Ouais, ils savent absolument ce que la parole de Dieu dit. Ouais. Pourquoi personne ne voit rien, Ecclésiaste 9? Parce que tout est sous les yeux des hommes, mais les hommes ne voient pas que ce qu'ils font, c'est le mal. Psaume 14, ils appellent ça le bien. Genèse 2. Genèse 3. Aïe, c'est mauvais, le royaume des cieux, c'est violent. Pourquoi les hommes n'arrivent pas à être arrachés de la vanité? Parce que ce ne sont pas des enfants. Bref, Cameroun, malheur au monde à cause des scandales. Bon, mais mon élection n'est pas un hasard. Et le fait que je sois français n'est pas un hasard. Parce qu'il y a un grand malheur pour l'Afrique. Et, pour l'Afrique, Dieu a dit par son fils Yeshua, sur le sceau saint des 12 de Yeshua, Melchisedec, il a dit, mais quand la reine de Saba va se lever, Matthieu 12, verset 42, mais vous allez faire comment, vous, là? Il parlait aux Juifs. Oui, là j'y vais, C'est bon, tu arrêtes de penser à autre chose. Tu fermes ta bouche, tu poses ton cul, tu vas essayer de sortir tes fesses de ta république camerounaise, des francs-maçons qui se moquent de Papa Villa depuis Galilée, Rome. Seigneur Jésus. Apocalypse 13, sur la terre, versets 11 à 18. Sur les nations, sur les rois de la France, sur les reines d'Angleterre, sur les rois d'Angleterre, sur les rois d'Espagne, sur les rois de l'Europe. Seigneur Jésus, c'est 666. Galilée, Kem. Cameroun. Vatican, t'es pas du Saint-Esprit, arrête de dire que Spiritus Sancti, Santa Maria et toutes tes conneries de Sainte Mère, l'Église de Rome, parce que t'es la Sainte Reine des putains, oui, et pas autre chose. Enfin bref, voilà quoi. Il a dit, mais la terre est pas plate, vous faites croire à toutes les nations ici, même au roi des nations, et aux plus riches comme aux plus pauvres, Apocalypse 13, que la terre est plate, mais c'est dingue. C'était en 1200, dans les années 1200, que ça s'est passé. Et des hommes, les grands maîtres, les princes de Satan, tout bêtes, hein, psaume 2, cachent le grand mystère de l'ivresse de la prostituée Babylone. Pourquoi, Cameroun, tu ne vois pas les sept montagnes du large spacieux chemin qui mène à la perdition? Parce que c'est moi qui dois réveiller. J'ai pris la bannière du Cameroun. Ne crains point, Jérémie 51. La cupidité de Babylone est à son terme. Macron, il disjoncte. Il dit que maintenant, les enfants, ils peuvent être consentants pour les pédophiles. Là, c'est trop. Je suis l'élu qui break Babylone. Donc, c'est break all. Toutes les alliances de l'histoire du monde des hommes, ça suffit. Dieu va les break. Daniel 2, c'est moi. Le caillou mauvais, là, en feu. Ouais, il faut te réveiller, Cameroun, tu vois. Alors, on va dans Matthieu 12, verset 42, je vous le lis. Ne vous fatiguez pas, tu restes assis dans ton équerre. Reste assis dans le compas des francs-maçons, dans ton crâne, hein, comme Papa Billa, il a le crâne, avec le compas, toi aussi, et son cul, et il est au même endroit, dans l'équerre, comme toi, Esaïe 5. Donc arrête. 42. La reine du midi se lèvera en ce jour du jugement, le jugement de Babylone. Je suis. C'est, Dieu se souvient des Noirs. Apocalypse 18. Jérémie 46. C'est moi le Mont Carmel. Le conseil d'Égypte au sens spirituel, des grands maîtres, là, des princes de Satan qui cachent que tout le monde n'est qu'à dans la perdition et qu'aucun n'est dans la sainteté éternelle des 12, le mystère de Babylone, ils rigolent. Mais c'est fini, moi j'arrache de leur bouche le mystère, ils sont vaincus, les siècles de Babylone tombent, ils sont vaincus, c'est le jugement de Babylone. Dieu se souvient des Noirs. Pourquoi le Cameroun, Afrique, dort comme ça? Inao, Rwanda, c'est des lions. Mais les lions, je ne compte pas sur eux, je compte sur les lions. Eh ouais, ben parce que les lions, le peuple, l'Afrique, hein, si les lions n'étaient pas là, hein, que seraient les lions? Puisque les lions sortent des lions. Enfin bon, Dieu est glorieux, il est gentil avec tout le monde, l'homme comme la femme. Bref, le monde des hommes est livré en spectacle. Cameroun vient, payback time from Cameroun. Si Biya il dort, ça va pas, c'est pas bon pour lui. Mais moi, ça ne change rien. Mais bon, le Cameroun est choisi. C'est moi qui choisis le Cameroun. Et mon sceau, là, c'est le sceau au-dessus de tous les rois de la terre. C'est le sceau du roi des rois. Voilà.
Daniel 4, versets 16 à 17. C'est moi qui break tout. L'alliance des hommes, les alliances spirituelles des hommes impies, que de chair et de sang, dépouillés de la lumière. Voilà. En quelle année Yeshua a fermé sa porte dans son royaume des cieux? Ouais, ouais, mais à Rome, Apocalypse 13, par Constantin. Réveille-toi, Cameroun. Réveille-toi. Réveille-toi. Dieu vient comme un voleur, oh. Il came comme un voleur. Un voleur. Non, je devais venir tranquillement. Ça devait venir par un livre. Mais vos camères ici à Bordeaux, là, à Mof, ils ne font que vous maudire là où moi je bénis. Rihanna, tu es bénie, c'est bon. Les 100 euros, là, vont bénir toute la nation. C'est mon sacerdoce, c'est ma prière. Avec la sainte alliance d'Abraham. Genèse 12. Mais il y en a deux, là, qui ont fait un dégât infernal sur les gens de Bordeaux. Donc, moi, c'est maintenant, il n'y a pas de livre. Hein. C'est sur Lian Bajos, là, voilà. Il faut venir. Il faut venir. J'ai pas besoin de lunettes, je me fais semblant, là, je, voilà. Ça fait 60 kilos que je perds. Mais ça va, c'est lancé, c'est parce que l'œuvre est lancée. Mais ça fait de la casse, il y a beaucoup de victimes déjà. Jérémie 46. Beaucoup de victimes du 666. Et oui, parce qu'il y a des Camerounais qui ont combattu contre l'agneau. Apocalypse 17, verset 14. C'est mon fils, l'oméga, c'est mon lion de Juda. Parce qu'il est l'oméga contre ses ennemis. Melchisedec est victorieux sur tous ses ennemis. En résumé, j'ai le pain et le vin que manger et buvez. Les 12. Voilà. Celui du Saint-Esprit. Melchisedec. Réveille-toi, Cameroun. C'est toi la nation du pur évangile de Dieu. Le pays où va y avoir le chemin de la vie éternelle. Les nations vont affluer. Ton économie, va falloir qu'elle soit gérée par Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut plus de république. Les francs-maçons des Blancs dégagent. Et tous les nègres qui sont avec les francs-maçons, ils dégagent. Ils rentrent chez eux. C'était les princes de Satan du GODF à Paris, de la France, qui se moquaient de tous les nègres en Afrique et leurs chefs d'État et leur gouvernement complètement. Seulement une chose, des ivrognes en délire. Comme Macron. Comme tous les chefs d'État sont ignorants depuis des siècles de ce mystère. Depuis Galilée, les grands maîtres ont regardé les hommes pendre les 7 montagnes sur lesquelles la prostituée est assise. Et pourquoi vous ne les voyez pas sous vos yeux? Pourquoi en France, les Noirs ne voient pas les 7 montagnes? Judaïsme, catholicisme, islam, orthodoxie, protestantisme, mormon, témoin de Jéhovah. Mais partout sur la terre, personne ne voit. Non, parce que c'est moi, l'œil en bon état, dans la principale de l'angle. Le signe illumine-t-il avec l'œil. Psaume 118, c'est moi là. C'est toi, Cameroun, le monstre sur terre. Réveille-toi. Je suis avec toi. Il y a des gens qui combattent, mais Dieu les break. J'y peux rien. Et des effacés du livre de vie, quoi. C'est chaud. Mais il ne faut pas qu'ils s'amusent avec les alliances au Dieu Saint d'Abraham. Genèse 12. Parce que je suis au lion de Juda. Je suis le premier à ne pas avoir bu et mangé avec les méchants. J'ai pas glissé au bonheur des insensés dans les 7 montagnes sur terre. Non, non. J'ai fait confiance qu'à la parole sous mes yeux. Et pour moi, pasteur. Et diacre et évêque, il est impossible aux 12 d'avoir rédigé ces saintes lettres par l'Esprit de Dieu. Évêque a été inventé seulement en 325 après. Et pasteur et diacre viennent d'un Français, de chez Macron. Donc moi, je vais aller à l'ambassade. Il me faut un président qui a des couilles et qui va se faire toute la race blanche dans l'histoire depuis Rome. Et toutes les nations blanches vont quand même en France. Mais toutes les nations vont quand même aussi à Rome. Mais écoute, Afrique, tu vas pardonner Mahomet. Dieu veut toute l'Afrique. Il va couper tout. Vous allez vous... Les chefs d'État, c'est un très grand destin. C'est Dieu qui veut faire ça. Par moi d'abord, là. Il fallait une nation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Que j'aille au Gabon révéler, quoi? C'est le Cameroun, les lions indomptables. Dieu veut faire de vous une gloire de Dieu sur la terre. Réveille-toi, c'est toi la bannière. C'est pas des blagues, c'est des paroles qui ne passent pas. Dieu regarde le Cameroun, psaume 14, l'un des intelligents, Apocalypse 10, 7. Je fais reparaître la bête, parce que je raconte tout ce que les hommes dans les ténèbres ont fait, parce que je suis de Sion, d'Abraham et Sarah, des 12, de Melchisedec, Yeshua Nazareth, le lion de Juda, l'agneau immolé. Voilà, c'est tout bête. Réveille-toi, Cameroun, je te lève les babines un peu, je viens de prendre tes crocs là. Les lions, réveillez-vous, les lions. Parce que alors, pour réveiller des lions, voilà, alors, j'ai dit, ah ouais,
même quand on en fait des gloires de Dieu, non, non, ils maudissent. Ils maudissent. Alors, au lieu d'être une grande gloire de Dieu, la fin du mystère de Babylone. Les lions, le lion et la lionne infernale qui délivrait du mystère de Babylone, qui délivre sa nation, son président, avec un livre. Non, non, c'est mieux les enfants qui prennent le 666 tous les dimanches, en blasphémant contre le Saint-Esprit, évidemment. Là où il y a un ministère ivré qui règne, une vierge folle qui ne comprend pas que pasteur, ça ne fait pas partie du transcendant de Christ, ça vient du monde, ça ne vient pas du ciel. Dieu est saint, 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 Ézéchiel 1. Et donc, oui, ils invoquent le Saint-Esprit, ouais, ouais, mais ils sont de l'esprit d'erreur. Donc évidemment, appelé l'esprit du dragon. Le cinquième diadème protestant, de la cinquième tête du dragon, Apocalypse 12, c'est blasphémé contre le Saint-Esprit, mais cette famille a maudit le Cameroun entier quand je faisais ça. Donc bon, de toute façon, c'est pas au Cameroun. J'ai mes gens ici, mais ils sont très peu. Mais j'ai tous mes gens au Cameroun, c'est en Afrique que j'ai mes gens, par Guillaume Badios. Voilà, j'ai des ambassadrices. Mais c'est le Cameroun, je l'ai choisi, c'est ça, là, et pas autre chose. Et tu te réveilles parce que tous tes imams vont tomber à genoux. Et tous tes pasteurs vont Wanda. Et tous tes évêques catholiques et tout ça. Et tout ce qui est des blancs va dégager. Mais les musulmans, il va falloir leur pardonner d'avoir été séduits par Mahomet qui n'a rien compris. Il a succombé à Rome, Matthieu 24. En les disant chrétiens. Non, les romains, c'est 666, le dragon déguisé en évêque. Le ministère ivré d'évêque, c'est de la royauté de la bête. Son royaume, son trône, la colère de Dieu versée dessus. Le dragon Satan d'une malheur, malheur à la terre. Ben oui, mais malheur au Cameroun. Bon, réveille-toi Cameroun. Amen. God bless you.